Bon, bonjour à tous et merci d'être venus. Je sais que pendant la COVID, ce n'est pas facile, mais d'être là en présentiel, je suis très, très content. Et en tout cas, merci pour l'hospitalité. Là, c'est vraiment très, très ravi. Écoutez, hier, c'était une présentation à très haut niveau, au niveau du stockage d'énergie, la conversion. Est-ce qu'il y en a hier qui ont vu la présentation? Okay. Donc aujourd'hui, c'est d'être en profondeur, d'aller vers les atomes, etc. J'essaierai de faire la pédagogie, mais si vous ne comprenez pas quelque chose, vous pouvez m'arrêter aussi. Là. Donc, je suis là pour vous expliquer. Donc, hier, j'ai parlé un peu plus de la batterie lithium-ion. Aujourd'hui, on va voir la batterie tout solide. C'est quoi une batterie tout solide? C'est quoi la batterie lithium-soufre? Et voir comment on les va les caractériser, comment comprendre les mécanismes, les phénomènes, etc. Donc, je commence février 2017. Juste pour vous dire que la batterie, elle devient une sécurité nationale. J'ai parlé hier et vous pouvez voir soit aux États-Unis ou ailleurs ou en Chine, etc. Et très important d'avoir les matériaux, d'avoir une chaîne d'approvisionnement pour les batteries, soit lithium-ion, soit les batteries du futur. Et ça, c'est important. Donc, les États-Unis, aujourd'hui, sont vraiment agressifs à avoir une politique nationale sur la batterie et en particulier sur les semi-conducteurs aussi. On a vu dernièrement les puces qui manquaient dans les autos parce qu'on n'arrive pas à fabriquer, parce que toute l'industrialisation, elle est partie vers la Chine et vers l'Asie. Hier, je vous ai parlé de la feuille de route pour une économie circulaire. C'est un peu, c'est ça l'avenir pour l'Europe, pour l'Amérique du Nord, en particulier pour la création d'emplois. Comme je vous dis, il y a une vingtaine d'années, j'ai beaucoup publié dans l'économie circulaire, surtout dans le domaine des batteries, la transition énergétique. Il y a un article qui est source ouverte, là, dont vous n'avez pas appuyé l'article, qui montre un peu qu'est-ce qu'on peut faire, comme j'expliquais hier, comprendre les matériaux qui viennent de la mine, les synthétiser, etc., aller jusqu'au recyclage. C'est toujours, on parle des matériaux de la chimie, de l'innovation et aussi la recherche et développement, sans oublier la recherche fondamentale. Aujourd'hui, j'essaierai de vous parler au niveau de la recherche fondamentale dans ma présentation. Hier, j'ai expliqué un peu les batteries, parce que depuis 30 ans, à part que Sony a introduit lithium-ion, il n'y a pas une nouvelle technologie sur le marché. Et j'ai expliqué hier pourquoi, parce que c'est difficile, mais aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, la modélisation, etc., on est capable de ramener peut-être quelques technologies dans le marché dans quelques années. Donc, vous pouvez voir de technologie. Aujourd'hui, c'est lithium-ion qui dominait. On voit la batterie au plan. J'ai expliqué hier, la batterie au plan, c'est 160 ans. Du nickel-cadmium, il est toxique, donc on perd. Nickel-métal hydrure, dans Toyota, il l'a introduit dans les premières voitures hybrides. Donc, nickel-métal hydrure, il est en train de disparaître parce que la densité d'énergie lithium-ion est supérieure. Hier, je n'ai pas parlé de ça, mais aussi l'évolution des matériaux. Vous pouvez voir, depuis 1961 jusqu'à 2010, il y a quelques matériaux qui sont rentrés, mais pratiquement depuis 2010, il n'y a pas de nouveaux matériaux, il n'y a pas une rupture technologique. Donc, dans 1961, on parle du nickel, aujourd'hui c'est une cathode. En 1972, l'intercalation, c'est là que Hydro-Québec, le CNRS, sont venus avec la technologie lithium-ion. Hydro-Québec, la première compagnie qui a introduit le lithium métal polymère en 1979, grâce à M. John Goodenough, lithium cobalt, grâce à Hydro-Québec, les fer phosphate et silicate en 1995, mais depuis 2010, on ne voit pas des ruptures technologiques des matériaux. La seule chose, qu'est-ce qu'on a entre nos mains, c'est le tableau périodique. Donc, c'est la base. C'est ça qu'il faut voir, comment on arrive à faire notre créativité. Hier, la question était posée, est-ce qu'on peut avoir mieux que lithium? Regardez, l'élément le plus léger, c'est l'hydrogène. Peut-être la prochaine fois, je viendrai faire une présentation, je suis électrochimiste sur l'hydrogène, mais ce n'est pas le but aujourd'hui. Mais l'élément le plus léger, le métal le plus léger, c'est le lithium. Et aussi, le rayon atomique du lithium, il est petit. On parle des batteries au sodium, au calcium, mais la densité d'énergie, elle est élevée. Donc, vous pouvez voir que si on veut créer les matériaux rares, ça ne coûte pas cher, parce que j'ai expliqué hier, il faudrait que le prix du pack. Le pack, c'est l'ensemble des éléments, de cellules, etc. Il faut qu'ils soient en bas de 100 $ par kilowatt. Donc, on ne peut pas utiliser des matériaux qui sont rares, etc. Aujourd'hui, on est avec le cuivre, le zinc aussi, pas cher. On est en train d'éviter le cobalt parce que c'est un matériau qui coûte cher aussi. On est dans le fer, c'est un matériau très important. Et de ce côté-là, parce que
On a un côté positif, côté négatif aussi. Les fluores, l'oxygène, c'est des matériaux intéressants, mais il faut trouver des combinaisons pour avoir des matériaux, etc. Regardez, ça c'est une de nos brevets, un brevet qu'on a breveté en 1998, et tout ça c'est relié à la créativité. Donc même si on a l'intelligence artificielle, c'est le cerveau, et ça on les appelle les polyanions, donc des sulfates, des silicates, etc. Et ça, ça s'ouvre à vraiment une combinaison de milliers de formules. Il faut trouver c'est quoi la bonne formule pour les batteries, etc. Vous pouvez voir, ça c'est un peu mon résumé de 35 ans dans les batteries, là, juste de comprendre les interfaces et le coût, la sécurité, la performance. Ça c'est important pour le marché. Si on peut, on fait, bien sûr, on fait la recherche fondamentale. Si on n'a pas un produit qui ne coûte pas cher, sécuritaire et performant, etc. Dans les batteries, généralement, j'ai parlé hier, on parle de capacité réversible dans votre iPhone. Il faudrait l'extension volumique, j'ai parlé hier. Le cyclage, il faudrait un grand nombre de cycles. Et la capacité irréversible. Dans les batteries lithium-ion, on perd 5 à 10%. Il faudrait travailler qu'on ne perd pas la capacité au début. Et le fameux électrolyte. Vous allez voir, aujourd'hui, je vous parlerai de l'électrolyte solide. Hier, il y avait une question de Solvay. Je parlerai beaucoup sur l'électrolyte solide. Il y a formation de gaz, parce que c'est pour ça qu'il y a un problème de sécurité. Le SEI, ça, c'est, on appelle ça un film de passivation, un film qui protège la note. Et l'évolution de l'oxygène, parce que j'ai parlé hier, le triangle du feu, c'est l'allumette, l'essence et l'oxygène. C'est d'éviter d'avoir l'oxygène à l'intérieur de la batterie qui sort, parce que sinon, ça va prendre feu dans l'ithium-ion. Ça, les gens qui aiment beaucoup lire, ça, c'est une excellente publication. Ça ne vient pas des gens scientifiques, mais des gens en économie et en sociologie. C'est un groupe de Chicago. Qu'est-ce qu'ils ont ? Ils ont appris 65 millions de papiers analysés et plusieurs dizaines de millions de brevets. Vous voulez juste comprendre comment on fait la rupture technologique, comment les inventions y font, comment la technologie, etc. Et vous pouvez voir, c'est tellement simple qu'ils ont trouvé, mais quand même, c'est un travail acharné. Là. Ils ont dit, ils ont pris 10 ans à analyser tout ça. Et la conclusion était simple. C'est pour ça que j'aime beaucoup la simplicité dans la conclusion. Ils disent que les petits groupes, c'est lorsqu'on travaille à 2 personnes, 3 personnes, on fait beaucoup de créativité. Et si on travaille beaucoup, beaucoup de personnes des groupes, on développe. Donc si on veut développer une technologie existante, il faut mettre des grands groupes. Mais si on veut mettre la créativité des ruptures, il faut mettre des petits groupes. Peut-être eux, ils disent qu'il ne faut pas aller plus que maximum de 4. Donc ça, c'est vraiment intéressant et c'est une publication dans Nature. Donc voilà. Donc je viendrai sur le résumé, le plan de ma présentation. Donc je parlerai de la batterie lithium-ion, le marché, mais c'est juste dilué par rapport à hier parce qu'il y a des gens qui n'ont pas vu la présentation hier. Je parlerai de la batterie lithium-ion et la batterie tout solide, la batterie soufre. Et là, j'ai pris toutes ces techniques que j'ai développées avec mon équipe dans les laboratoires. Et ces techniques, c'est in situ, c'est operando. C'est, on voit la batterie, comment elle fonctionne, live. Ce n'est pas que j'enlève mon matériau, etc. Je vois. Et ça on prend beaucoup sur le mécanisme. Et on est capable de créer des matériaux parce qu'en en voyant le défaut des matériaux, etc., on va dire, ah, c'est ce matériau, etc. Donc, on parle de la diffraction X, spectroscopie Raman. UV, le SEM, c'est microscope à balayage, la transmission, et je finis par une conclusion. Donc, la batterie lithium-ion, c'est elle qu'elle domine aujourd'hui le marché, comme j'expliquais hier, dans nos laptops, dans nos cellulaires, etc. J'ai parlé hier des formats, dans les formats aujourd'hui à vente chez Tesla ou dans nos laptops ou dans nos ordinateurs, c'est 1850. Aujourd'hui, c'est le 2170 et bientôt, on ira vers le 4680. Le 4-6 avait 4,6 cm de diamètre, comme j'expliquais hier, et 88 cm. Et ça, c'est... Pourquoi les cylindriques? Parce que l'électrolyte est mis là-dedans, donc c'est comme une boîte de conserve, tout est vraiment scellé, etc. Donc ça tient généralement pour toute la modélisation sur la température et la pression au niveau, parce qu'il y a
trois couches. Il y a l'anode, la cathode et l'électrolyte. L'électrolyte, il y a un séparateur, et le séparateur qui vient absorber l'électrolyte liquide. J'ai expliqué hier pourquoi on appelle une batterie lithium-ion, parce que l'état du lithium, soit dans l'anode, soit dans la cathode, soit dans l'électrolyte, et il y a l'état ionique. C'est pour ça qu'on appelle lithium-ion. Donc, moi, des fois, je dis, c'est comme des tiroirs. Là. Je prends mes chemises d'un tiroir à un autre. Donc, c'est ça, la batterie lithium-ion. Donc, c'est simple d'expliquer à nos enfants. Et ça, c'est Sony, c'était la première compagnie au monde qu'ils ont introduit cette technologie-là. Mais en revanche, le brevet de base, c'est un brevet qui appartenait au CNRS Hydro-Québec. Vous pouvez voir que les Asiatiques, c'est pour ça que j'expliquais hier, 95% de la batterie lithium-ion, elle est fabriquée en Asie, en particulier la Chine, la Corée, le Japon. Hier, j'ai parlé, tous les matériaux de ces batteries-là, ils sont au Québec où on parle du lithium, du nickel, du cobalt, du manganèse, du graphite, etc. Donc, on est choyé par la nature. La même chose hier, non seulement les minéraux de la batterie, mais les minéraux critiques, les métaux rares, ils sont aussi au Québec pour fabriquer les fameux cellulaires. On a besoin des métaux rares, etc. On a besoin aussi des... En revanche, il n'y a pas de métaux rares dans les batteries lithium-ion. Mais dans les moteurs électriques, on a des métaux rares. Et le marché, comme j'expliquais, vraiment, grâce à lithium-ion aujourd'hui, on peut voir partout, même dans l'espace et nos ordinateurs. Et en particulier, le marché aujourd'hui, c'est l'électrification de transport et le stockage d'énergie. Vous pouvez voir, le marché est divisé en trois. On parle d'e-water, c'est une petite batterie dans nos téléphones. On parle de kilowattheure, jusqu'à 100 kilowattheure dans les voitures électriques. Et dans le stockage d'énergie, on parle ça de mégawattheure. Donc, la charge, la recharge, la question était posée hier sur la charge, la recharge. C'est très important. Un exemple, si je charge en une heure un équivalent de water, c'est 1 watt. Si je charge en 2 heures, c'est 0,5 heures, donc c'est 0,5 watts, etc., etc. Je parlais hier du marché. En particulier, le marché va exploser en 2030. On parle de 250-300 milliards de dollars. Et ça, c'est juste la batterie. Ce n'est pas la carrosserie, ce n'est pas les moteurs, tout ça. Là, on parle juste de la batterie. La supériorité des batteries lithium-ion, c'est sa densité d'énergie supérieure. Ça, c'est water par kilogramme, c'est le poids. Donc, je vais avoir moins de poids et moins de volume. Donc, pour prendre moins d'espace. Donc, ça, c'est la sécurité de la batterie lithium-ion. Je ne reviens pas. Mais vous allez voir, c'est très important parce qu'il y a beaucoup de problèmes. Ça coûte très, très cher à avoir les batteries. Hier, j'expliquais ça. Aujourd'hui, je vais me focusser à peu près sur la conception, sur les matériaux, comment on analyse les matériaux, etc. La structure de l'industrie des batteries aujourd'hui, vous pouvez voir, c'est une chaîne compliquée, mais elle est importante. On parle des matériaux, on parle des précurseurs, ça veut dire c'est les mélanges des matériaux, on parle des électrodes, électrodes négatives, positives, on parle des cellules, on parle des packs et modules, et on parle du pack dans la voiture électrique et tout le recyclage. J'ai parlé hier du recyclage, etc. Puis voir comment la structure de l'industrie, elle est faite vraiment de la mine jusqu'à la cellule, jusqu'au recyclage. Donc ça, c'est comment on arrive à augmenter la densité d'énergie, en augmentant la densité d'énergie, en ajoutant le matériau comme le silicium ou comme le nickel. Parce qu'augmenter la densité d'énergie, c'est augmenter l'autonomie. C'est pratiquement proportionnel à l'autonomie. Ça, c'est important. J'essaierai de vous expliquer comment on choisit les matériaux. Ici, c'est le voltage. L'énergie, elle est proportionnelle au voltage. Donc, c'est très important. À chaque fois que j'ai des cathodes, ici, c'est les anodes et l'inverse. L'anode, il faut que son potentiel soit bas parce que c'est la somme entre le potentiel de la cathode moins l'anode. Donc, et ça, c'est la capacité. Et aussi, l'énergie, elle est proportionnelle à la capacité. À chaque fois, j'ai le voltage haut et j'ai une grande capacité, donc j'ai beaucoup d'énergie. Donc, un exemple, le graphite aujourd'hui, on parle de 372 milliampères par grammes. Le titanate, vous allez voir, c'est une anode, il a à peu près 1,5 volts, 170 milliampères par gramme. Vous pouvez voir le silicium. C'est pour ça que
dans tous vos batteries aujourd'hui, il y a à peu près 5% de silicium. Pourquoi? Parce qu'il a une capacité de 3000 ou 4000 milliampères par gramme. À peu près 10 fois la capacité du graphite. Et aujourd'hui, on a un mélange de silicium et de graphite dans l'eau et on arrive à 1200 au lieu de juste de graphite tout seul à 372. Là, dans la cathode, donc on revient sur la cathode, la première cathode, c'est l'oxyde de cobalt. J'expliquais que tous vos téléphones portables et vos ordinateurs, on a 100% de cette cathode. Il y a du lithium, du cobalt et de l'oxygène. Il y a le LFP, le fer phosphate, j'y parlais. Aujourd'hui, les Tesla de ce monde, le stockage, les BYD, les CATL, ils sont à base du LFP. Lithium, fer, phosphate. Donc, il n'y a pas de cobalt, il n'y a pas de nickel, etc. Mais lui, il travaille à 3,5 volts. Donc, le cobalt, il a dans une énergie supérieure. On a aussi dans les voitures de Nissan l'oxyde de manganèse. Donc, on appelle du NMO. Et j'ai expliqué hier, les NMC, NCA, c'est du nickel, manganèse, cobalt. Au lieu d'avoir 100% du cobalt ici, on a à peu près peut-être 5-10%. Et on a 80% du nickel. Donc aujourd'hui, ces deux chimies, le LFP et le NMC, sont dans l'efficacité en transport et dans l'électronique, et c'est le LCO. Et je parlerai du soufre. C'est un matériau qui ne coûte pas cher. On appelle ça le matériau de la beauté parce que partout dans nos angles, dans nos parfums, c'est le soufre. C'est un matériau qui est vraiment... Les pétrolières, parce qu'il faudrait qu'ils enlèvent le soufre du pétrole. Et c'est un matériau qui ne coûte pas cher. Des fois, ils le donnent, les compagnies pétrolières. Donc, vous pouvez voir un voltage bas, mais grande capacité. Et le rêve des chercheurs, c'est la batterie lithium-air. Juste prendre de l'air et ça, vous pouvez voir, l'oxygène est vraiment une grande, grande capacité. Et là, c'est vraiment, on est vers, proche de la capacité, en particulier de l'essence. Et on s'intéresse... Aujourd'hui, tous les batteries lithium-ion parlent des batteries 4 volts. Ils sont ici. 4 volts, 3,5 volts. Et on s'intéresse à des batteries de 5 volts, nouvelle génération. Ici, c'est un mélange de manganèse et du lithium. OK. Et aujourd'hui, donc, j'essaierai de passer les techniques in situ sur le lithium-manganèse. Donc, j'ai choisi un 5 volts et j'ai choisi le fer phosphate. Et j'ai choisi le silicium et le lithium, deux anodes et deux cathodes, pour voir comment ces matériaux y fonctionnent. Tout va bien pour l'instant? Ok. Généralement, comment on compare la cathode, nos cathodes? Donc, j'ai dit, on parle au niveau du prix, la densité d'énergie, la sécurité, le nombre de cycles, la décharge, le temps de charge et décharge, comme j'expliquais hier dans les petites maisons, et le kilowattheure, ce qui est important, etc. Vous pouvez voir, ça vient de Bloomberg 2020. Vous pouvez voir, en particulier le fer phosphate, là, c'est un matériau très, très intéressant, sauf qu'il n'a pas la densité d'énergie. Si je fais un 500-600 km avec le fer phosphate, c'est impossible. Mais en revanche, avec NMC, la densité d'énergie... Elle est là. C'est pour ça qu'on voit que le marché aujourd'hui est segmenté entre deux applications. Celle qui est fer phosphate et celle qui est avec le NMC. On parle 6-2-2, ça veut dire nickel, on a 60%, 20% manganèse et 20% cobalt. Dans le NMC 8-1-1, donc vous pouvez voir, à chaque fois que j'augmente le nickel, j'augmente la densité d'énergie. 80% nickel, 10% manganèse et 10% au niveau du cobalt. Je vais les passer parce qu'hier, j'ai parlé au niveau de sécurité là, par rapport à l'FP NMC. Donc, on va les... OK. Maintenant, ça, c'est... Je n'ai pas montré hier. C'est une batterie tout solide. Comment elle fonctionne, la batterie tout solide? Donc, j'ai toujours anode, cathode et électrolyte, sauf l'électrolyte. Dans l'anode, j'ai un métal, donc j'ai plus le graphite, j'ai plus de matériaux. Donc j'ai un métal qui a pas de carbone, qui a pas. Donc attendez, j'espère que ça va fonctionner. Voilà. Vous pouvez voir comment ça fonctionne. Et dans l'électrolyte, comme j'expliquais hier, il y a trois types d'électrolytes solides: polymère, céramique. Ça c'est remplacé avec du polymère un peu avec du gel, on est capable, mais utiliser la céramique.
Un des gros problèmes de la batterie tout solide, pourquoi on ne la voit pas partout dans le marché, c'est les dendrites. Donc, lorsqu'on dépose et on fait une dissolution du lithium, il y a formation de dendrites. Il faudrait vraiment comprendre comment vraiment faire la suppression des dendrites pour y voir. Et c'est des points pour aller jusqu'à 1200 degrés C. Là. Donc, parce que c'est un court-circuit entre l'anode et la cathode. Donc, ça, c'est ça qu'on appelle la batterie tout solide. La batterie au soufre. Donc, c'est toujours une anode. L'anode, elle est la même chose que la batterie tout solide, il y a un métal. Et la cathode, c'est du soufre. Mais c'est compliqué. J'essaierai de vous expliquer ça facilement. C'est que qu'est-ce qui se passe? Il y a deux mécanismes. Il y a un mécanisme chimique et électrochimique. Et vous pouvez voir, c'est que ici, c'est comme une navette. C'est pour ça que j'ai mis ça. C'est comme on voit un bus là, de charge qui circule, etc. Et on a des espèces qui sont solubles, des espèces qui sont solides et sont compliquées. Et des fois, si on a une espèce qui se dissout ici, elle va contaminer le lithium métallique et on va avoir moins de capacité, etc. Donc, vous pouvez voir au niveau réaction, c'est simple, mais les mécanismes sont compliqués. C'est pour ça que j'essaierai de vous montrer les in situ. Donc, l'anode, c'est du Li+. Le soufre, il va aller jusqu'à Li2S, mais avec plusieurs états. Et vous pouvez voir que c'est des réactions, on les appelle ça des réactions de navette. Donc, lithium-ion, c'est l'état du lithium ionique. L'anode dans le batterie tout solide, c'est métallique, dissolution du métal et déposition du métal. Dans le cas de lithium soufre, donc on parle de navette. Donc, trois types de mécanismes différents. Dans notre jargon, on utilise in situ in operando. Donc, des fois, les gens qui s'intéressent à la science, c'est confus. Et généralement, lorsqu'on utilise le in situ, donc on prend en charge la décharge de la batterie selon un pourcentage, c'est obligé qu'on arrête à ce point-là, mais on prend un rayon X, par exemple, un rayon X, et dans le cas d'un operando, généralement, on laisse le courant, le voltage, on ne met rien à off, et on utilise, par exemple, la spectroscopie avec la cellule en la chargeant et déchargeant. Et vous allez voir l'in situ au ski microscope à balayage, c'est comme nos yeux à l'intérieur du microscope et on voit qu'est-ce qui se passe au niveau des batteries. Juste pour vous montrer ces techniques-là, là, donc on parle d'à peu près 167 papiers en 2010 et là on peut voir qu'il y a une extension ou vraiment un exponentiel au niveau des publications dans ce domaine-là. Et c'est des domaines, comme je vous dis, au niveau soit les instituts dans le voir est-ce qu'il y a du gaz, est-ce qu'il y a des interfaces, etc. Et voir au niveau du bulk, là, comme aujourd'hui, on va voir le rayon X et le TEM ensemble. La diffraction X, est-ce que vous êtes familier avec ces techniques-là ou non? OK, c'est bon. C'est comme quelqu'un va prendre son radio, là, c'est plus, mais on prend un radio pour le matériau. Donc, on a une machine. Et cette machine, donc, on installe, vous allez voir, on installe une pile bouton. On a un chargeur et des chargeurs. Et on charge la batterie. Vous pouvez voir, on a des spectres. Et selon ces spectres, on va les analyser. On a des banques de données pour voir comment le matériau, la transformation de matériau, elle se fait durant la charge et décharge. Donc, on prend une pile bouton, la même pile que vous avez dans les montres. On met nos matériaux. On a ici une fenêtre de beryllium qui est perméable aux rayons X. Et à partir de ça, donc, on va analyser le matériau. Tout à l'heure, je vous parlerai du fer phosphate. Donc, lorsque le fer phosphate est déchargé, on a du lithium dans la cathode. Une fois qu'il est déchargé, on n'a plus du lithium, on a juste du fer phosphate. Et au milieu, on a les deux phases. C'est comprendre comment ces deux phases coexistent. Comme j'expliquais, le fer phosphate aujourd'hui, c'est un matériau qui devient de plus en plus intéressant, en particulier pour les batteries, pour les automobiles qui vont coûter moins cher, à peu près en bas de 25 000 $. Une autre chose, une autre application, parce que ce matériau, c'est le stockage d'énergie. Donc ça, c'est une joint venture entre son Hydro-Québec.
Imaginez 1,2 mégawatt-heure, c'est l'équivalent de quelques maisons qu'on peut les alimenter avec une grosse batterie. Là. Donc, on parle d'une pile bouton, même matériau, on est capable d'aller jusqu'à un conteneur. Ça, c'est à peu près 36 pieds là, au niveau de la longueur. Et là, on revient maintenant sur nos rayons X et les spectres. Donc, on a les spectres automatiquement. Et vous pouvez voir en noir, c'est pendant la charge, la décharge. Ça, c'est en C3, en 3 heures. Et ça, c'est en 24 heures. Et là, on peut vraiment analyser les concentrations moyennes du lithium. Et aussi, qui est important, on peut voir les phases de diagramme et aussi voir la structure là, cubique là, du matériau. Et ça nous donne beaucoup d'informations au niveau de la variation du paramètre. Le paramètre de la maille, parce qu'on a un lithium lithier qui est en état de charge et un qui n'est pas lithier. Là, on va vers le matériau de 5 volts, que lui, il est complètement, il ne travaille pas dans les mêmes limites de voltage, etc. C'est ça sa structure. Lui, c'est une structure spinel, l'autre, c'est une structure olivine. Et à partir de ça, on va comprendre comment il va fonctionner. Bon, on a une phase 1 avec du nickel 2+, on a une phase 2 avec du nickel 3+, et un mélange de phases, ici, phase 3. Et grâce aux rayons X, on va comprendre ce mécanisme, la profondeur de ces opérations. Et on veut aussi doper. Doper, pourquoi le dopage? Pour aller voir la stabilité, parce que le manganèse, il se dissout. Donc, on peut doper avec du magnésium, du cuivre, aluminium, du cobalt, du chrome, etc. Et voir l'effet du dopage sur la structure. La même chose, vous pouvez voir le voltage, comme je dis aujourd'hui, on va aller pratiquement jusqu'à 5 volts. Il y a un voltage moyen de 4,8, donc on augmente beaucoup la densité d'énergie avec ces matériaux-là. Et aussi, à chaque fois qu'on fait, on dope avec un matériau différent, on a une réponse en voltage différente. La même chose ici, parce que ça, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est le diagramme de phase, parce que j'ai expliqué tout à l'heure les phases 1, les phases 2, les phases 3, et ça dépend du matériau de dopage comme le cobalt ou l'aluminium et le magnésium. Donc vraiment, je peux comprendre et peux choisir le meilleur matériau qui soit dopé avec le matériau lithium manganèse à 5 volts. Donc, juste le sommaire pour voir que ces techniques-là, ils nous aident beaucoup à voir, par exemple, l'effet du dopant, le diagramme phase du matériau et aussi de voir la lithiation entre le fer phosphate et non lithium, etc. Là, je reviens sur le spectroscopie Raman. Aujourd'hui, là, donc, j'ai vu à l'intérieur de mon matériau par rapport et j'essaierai de voir maintenant le côté. Donc, je ne suis plus dans le centre, je suis d'un côté. Et le Raman, c'est des lasers avec jusqu'à 1 micron. Et ce qui est bien aussi, c'est une technique très intéressante de la phase aussi, et pendant le cyclage aussi. Je décharge, je décharge, et je vois qu'est-ce qui se passe. La même chose, on parle des spectres, et ça c'est un Raman au niveau 5 volts, donc je peux voir les vibrations au niveau de tout qu'est-ce qui se passe au niveau de ce matériau de 5 volts. La même chose, c'est compliqué, je ne suis pas là pour aller voir un sur un, mais vous montrer c'est quoi mes spectres pendant la décharge, la charge, et à partir de ça, on est capable de comprendre s'il y a un défaut dans la structure, on peut faire un coating de carbone ou un coating de niobium sur la cathode et voir son influence parce qu'on travaille à très haut voltage. La même chose ici, dans le cas du Raman ici, ça c'est dopé, on veut doper avec le chrome et le cobalt et on peut voir qu'est-ce qui va se passer avec cette méthode du Raman. Est-ce que c'est un effet de surface ou est-ce qu'il va donner plus de conductivité électronique, etc. Et le Raman, il est capable de nous aider. La même chose ici, le sommaire, on arrive vraiment à voir surtout la bande de 672 qui est très connue dans ce matériau ou la bande 162 et le dopage, on a bien compris que le dopage, il va beaucoup aider non seulement sur le bug, mais aussi au niveau de la surface du matériau.
Là, je reviens sur... Je change de la batterie lithium-ion. Maintenant, je suis dans la batterie lithium-soufre. C'est de comprendre, tout à l'heure, je vous parlerai de la navette, parce qu'il y a plusieurs espèces, et j'aimerais bien analyser c'est quoi mes espèces. Et vous pouvez voir, donc, c'est une batterie qu'elle travaille à peu près à bas voltage, et la beauté de ça, donc on peut faire même des cubes, vraiment des belles cristaux enrobés à base de TiO2, un oxyde de titane enrobé, on met le soufre au cœur et on enrobe avec le titane. Et voilà. La même chose ici, au lieu d'avoir une pile bouton, parce que c'est tout solide, donc on fait une batterie plate, on a anode, cathode, électrolyte, et on a le soufre, et on a du lithium. Et qu'est-ce qu'on a? On a vraiment une fenêtre pour la spectroscopie UV visible. Et vous pouvez voir, on analyse nos spectres, et vous allez voir comment le changement il va se faire. Donc, en charge et en décharge. Donc, vous pouvez voir ici, en charge et en décharge en rouge. Et on récupère les spectres. À partir des spectres, on a des banques de données et on va voir c'est quoi les espèces qui sont formées pendant la charge et la décharge. Et je viendrai tout à l'heure pour vous donner la nomenclature du spectre. C'est grâce à ces méthodes in situ. OK, voilà. Donc là, on arrive vraiment à les analyser, nos matériaux, et avoir l'analyse vraiment profonde par rapport aux matériaux. Donc on parle du S8, du S4-2-, etc. Et on identifie la longueur d'onde en nanomètre ici. Et à partir de ça, on comprend que, par exemple, le S2 ou le S4, est-ce qu'il est positif ou négatif par rapport à la navette, le mécanisme de la navette. La même chose ici, donc vraiment, on arrive à analyser en profondeur, et on peut dire, par exemple, le S4 de moins augmente pendant la décharge, tandis que l'espèce S6 moins augmente pendant la charge, et l'accumulation lors des réactions de la navette, accumulation d'espèces des soufres solubles au cours du cycle. Et ça, surtout si on a des espèces qui sont solubles, c'est pas bon, parce qu'ils vont aller dans l'anode, et dans l'anode, comme j'ai dit tout à l'heure, on va fabriquer les dendrites, ils vont avoir un court-circuit. Là, je viens à quelque chose, vous allez voir visuel. Ça, c'est un microscope à balayage électronique. Donc, on a un microscope à balayage, surtout maintenant les nouveaux microscopes. Et le microscope, on va mettre la batterie à l'intérieur et voir qu'est-ce qui va se passer entre l'anode et la cathode. Et charger, décharger. Et ça, c'est vraiment nos yeux à l'intérieur du microscope à balayage. Donc on a deux fois, soit on voit vue de plan, soit la coupe de la batterie. Donc on a deux méthodes de voir ça. Et tout ça, c'est sans publier, donc je laisserai à Stéphanie une copie là. Donc tout ça. Donc je vais boire un peu tôt. Je vais vous montrer les dendrites que vous allez voir. C'est intéressant de voir les dendrites que j'ai parlé tout à l'heure. OK? Essayez de voir cette partie-là. Là. Vous allez voir, je charge et décharge. Et vous allez voir, c'est comme des petits monstres là, qui vont sortir. Là. Vous pouvez voir, c'est ça qu'on les appelle les dendrites. Regardez comment ils commencent à sortir partout. Et ces dendrites-là, donc il faut les éviter parce que c'est eux qui font les courts-circuits. Aujourd'hui, même ces dendrites, ils existent dans les batteries lithium-ion. C'est pour ça qu'on peut pas, qu'on ne demande jamais de charger en quelques minutes parce qu'ils vont sortir. C'est pour ça qu'on change entre 15 et 20 minutes. Regardez ici, vous allez voir une batterie qui n'a pas des dendrites, comment elle fonctionne. Et vous allez voir, c'est comme la batterie, comme un poumon, elle respire. Donc, le bleu, c'est le lithium métallique. Le fuchsia, c'est l'électrolyte solide. Et la cathode
et en orange, et là, le point, je cycle, et à partir de ça, je trace les épaisseurs de l'anneau de la cathode électrolyte. Et pour voir, essayer de voir ici comment elle respire, là. Parce que le fait que je maintiens avec la pression, et vous pouvez voir que le nombre de cycles, c'est à peu près 1500 cycles sans dendrite. Parce que là, j'ai bien formulé mon lithium, j'ai bien formulé, etc. Et je n'ai pas de dendrite. Donc, j'ai deux technologies. Je montrerai celle d'en bas aussi, la même chose. Donc, vous pouvez voir. Mais, qu'est-ce que je vois? Ici, la première conclusion, que le lithium qui est en bleu, il a une extension de 25%. Donc vraiment, il faudrait que j'adapte mon espace pour absorber cet espace. Donc là, on le voit aussi dans une batterie LiFePO4, ça charge et décharge ici, et il n'y a pas d'endrite. Et on peut suivre, ça c'est les épaisseurs. Donc les épaisseurs sont 3,18 des matériaux en fonction du nombre de cycles. La même chose ici, c'est que là, je sais que pour enlever les dendrites, il faudrait que je travaille avec les alliages. Donc, un exemple, là, je fabrique un alliage in situ à haute température. Vous allez voir comment ça fonctionne. Et lorsque j'ai le lithium tout seul, j'ai des problèmes de dendrite, mais dès que je mets du magnésium, ça cycle d'une manière exceptionnelle. Et essayer de comprendre ici avec le BCD, tout ça, c'est les éléments. Dans le matériau, qu'est-ce que j'ai comme élément? J'ai de l'oxygène, le magnésium. Donc j'ai le fer phosphate ici, SPE, lithium manganèse. Et après, je peux aussi avoir scanné mon matériau. C'est quoi les éléments à l'échelle atomique que j'ai visé ici? Là, on parle de 252 degrés. Là. Vous allez voir, ça, c'est vraiment comment je puisse former mon alliage avec le lithium magnésium. Et ça, ça a été publié dans Advanced Science, le journal. OK, c'est bon. La même chose, je vous ai parlé des deux cathodes, du lithium, et là, on va parler du silicium. Le silicium, c'est un matériau qui a à peu près 300% d'extension volumique. C'est pour ça qu'on ne fait pas beaucoup de silicium dans les batteries lithium-ion. Sinon, la batterie, elle va se déchirer ou elle va s'exploser. Donc, le silicium, c'est ça, ça charge, décharge. Donc, on peut avoir des très bonnes capacités, comme j'expliquais tout à l'heure. Et je peux avoir ça, c'est cyclé en 6 heures. Oui. La même chose, vous allez voir. Essayez de voir la particule ici. Donc, je vais décharger, et ça, c'est de voir aussi l'interface entre le graphite et le silicium. Donc, c'est de l'in situ, charge-décharge. Et voilà. Donc, je mets lithium, la couleur, elle change. Vous pouvez voir que l'électrode, elle est fissurée. Et ça, c'est que le silicium, là, lorsqu'il y a une extension volumique, donc il y a une fissure, il y a le craquage au niveau. Ça, c'est à l'échelle microscopique. Tout à l'heure, je vous montrerai à l'échelle nanométrique. Là, on arrive vraiment à la transmission. Donc, c'est microscope à balayage et la transmission. Donc, les électrons, ils vont traverser le matériau. Oui, ça, c'est vraiment... une machine qui coûte très très cher, donc au niveau de la transmission, c'est important d'avoir. On peut éjecter des gaz, on peut même créer les matériaux à l'intérieur. Donc on peut synthétiser le matériau à l'intérieur du microscope à transmission. Donc qu'est-ce qu'il y a? Donc on peut éjecter n'importe quel gaz ici, et on peut vraiment chauffer le matériau, et avec des précurseurs, et on va voir les matériaux neutres. Donc le matériau, il est ici. Et ça, c'est le précurseur. OK, attendez, je ne sais pas si... Et je vous ai ramené comment le fer phosphate, il est fabriqué. OK, donc ça n'a pas fonctionné. Qu'est-ce qui se passe ici? Vous pouvez voir, on a fabriqué le fer phosphate. Et le fer phosphate, et ici, qu'est-ce qu'on a? On a
le carbone, on a 3 nanomètres de coating de carbone. Si ce n'est pas ce coating de carbone, les fer phosphate ne fonctionnent pas. Parce que c'est un matériau qui n'est pas conducteur électronique. OK. Là, je viens de vous montrer une autre setup pour voir à l'intérieur du microscope, à l'échelle nanométrique, du silicium, comment il fonctionne à l'intérieur du microscope à transmission. Donc, on met un électrolyte solide, LiDO, et on met du silicium sur le platine et on va charger, décharger. Vous pouvez voir juste pour montrer, ça c'est une particule à peu près de 30-40 nanomètres, c'est du silicium. J'ai l'électrolyte et vous allez voir tout doucement comment je forme un alliage lithium-silicium comme une anode. Regarde, ça va toucher. Et vous pouvez voir que tout doucement, voilà, j'ai formation d'alliage. Par contre, au niveau des nanomatériaux, on ne voit pas le craquage comme on le voit dans les particules microscopiques. Donc, c'est pour ça qu'on veut utiliser les nanoparticules de silicium. Juste pour vous montrer qu'est-ce qui s'est passé. Donc, on a du lithium avec l'électrolyte solide. Et là, à la fin, j'ai une fabrication du lithium-silicium sans aucun travail mécanique. Et si je cycle la batterie à plusieurs pourcentages ici, à 100% c'est chargé-déchargé, je perds la capacité parce qu'il y a une grande extension volumique. Donc on a optimisé à peu près avec 40%. Donc le silicium, on le charge à 40%, mais la capacité elle est moindre, mais il fonctionne. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on le voit dans les batteries lithium-ion, même au niveau des voitures électriques, il y a un petit pourcentage de lithium-silicium. Important que j'ai expliqué hier, les gaz, parce que le fait qu'on a un électrolyte liquide, donc il y a formation de gaz, et aussi analyser ces gaz, et on les analyse d'une manière in situ. Donc on a mis un nouveau dispositif original, et ce dispositif qui est bien, il peut analyser le gaz qui vient de l'anode et le gaz qui vient de la cathode. Et avant d'analyser ça, vous pouvez voir, on utilise le diagramme de Ishikawa, de voir que c'est complexe, les batteries des fois, surtout l'analyse des gaz parce que c'est relié à la sécurité. Donc on essaiera de comprendre où sont les phénomènes, est-ce qu'il y a au niveau de l'anode, l'interface, la cathode, etc. Et à partir de ça, qu'est-ce qu'on fait? Donc on va voir, est-ce qu'on met des additifs, etc. Donc on a nos dispositifs, et à partir du dispositif, on va dire, ah, on trouve du CO, on trouve du CO2. Est-ce qu'on peut mettre des additifs ou des matériaux qui vont absorber surtout l'hydrogène, le CO, le CO2. Et c'est ça, à la fin, qu'on est capable, en ajoutant des additifs, en faisant une analyse en profondeur et de comprendre les mécanismes, on arrive à venir avec une technologie plus simple. Donc, en conclusion, comme les techniques, j'ai parlé tout à l'heure, vous allez voir à l'intérieur d'une batterie qu'est-ce qui se passe à l'échelle de vraiment nanoscopie. Et ça aide soit la batterie lithium-ion ou les batteries du futur, comme les batteries tout solides, lithium-soufre. Donc la batterie lithium-ion, pour l'instant, bien sûr, c'est le choix actuellement. La cathode, comme j'ai parlé, nickel et fer, elle domine le marché parce qu'à cause de la densité d'énergie que le NMC il donne, et le fer phosphate. Et moi, je pense que travailler, comprendre les batteries sur 5 volts, c'est très intéressant. La sécurité, ça fait partie de ces analyses in situ. Et c'est sûr que la traçabilité, les charges rapides, etc. Et en allant vers 100 $ par kilowattheure, comme j'expliquais hier, avec 400 watts par kilogramme, il n'y aura plus de stress sur la charge, plus de stress sur l'autonomie. Donc, on peut avoir des voitures avec 500 km et plus. Et merci de votre attention. Et si vous avez des questions, des commentaires, soyez les bienvenus. Merci beaucoup.